This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate lives, the end of everything. I was raised in the cow dai religion in Vietnam. Cow dai, I worship too many gods when I growing up. Donc elle a été élevée dans la religion Cao Dai, et comme elle disait, elle priait de nombreux dieux. Until I was 19 years old, in 1982. Jusqu'à ses 18 ans, en fait, en 1982, The Vietnamese government, they looking for me and they found me at a time ago in a famous picture. Et en fait, en cette année-là, le gouvernement vietnamien s'est mis à la rechercher. Ils ont retrouvé la petite fille de la photo et ils ont fini par la retrouver. And at that time, I was the first year of medicine school. Et elle était en première année de médecine, en fait, à ce moment-là. But then, they took me out for the interview, for the filming, and eventually they cut short my study. D'accord. Et en fait, ils m'ont empêché de continuer ses études. Ils m'ont demandé pas mal d'interviews, ils voulaient trouver un petit film, etc. Et au final, ils ont fini par carrément limite arrêter dans ses études. At that time, I was really feel so bad. Yes, elle se sentait très mal. It seemed to me like I became another kind of victim. Elle se sentait une autre victime, en fait, pas pour vivre maintenant. And I really wanted to die. Elle voulait mourir. And I didn't want to live anymore because in my heart, where are you, God? Et dans son cœur, en fait, elle se demandait où était Dieu. Elle avait plein de doutes sur tous ces événements. Even though I prayed so many gods, but where are you? Malgré toute la multitude de la religion au Cambodge, en fait, elle se demandait où étaient ces dieux pour lui venir en aide. No, God answered me. No, God answered my prayer. And so that's the reason that I really want to seek for peace, how I can move on. Then I just went to the library. And I read so many religious books. And among them, I read the New Testament. Donc elle s'est rendue en fait dans une bibliothèque où elle a lu de nouveaux textes religieux. Et elle est tombée en fait sur le Nouveau Testament. And when I read the New Testament, the more I read, the more questions I had. Plus elle avançait en fait dans sa lecture du Nouveau Testament, plus elle avait des questions. Then, when I read Jesus say, I am the one, the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. Exactement. Okay. No man can come to the Father but by me. Donc elle a lu en fait une phrase qui disait que Jésus était le chemin, il était aussi le deuxième homme, et il était la vérité. Et qu'il était la vie. Yeah. And then I was really confused. Mais ça l'a rendu très confuse. I was wondering what was true.
sacred too? Et elle demandait du coup en quelle religion croit. I'm really confused. Elle était très perturbée. But then I continued to seeking peace. And then one day I went to the church to discover about Christianity. Elle a continué dans ses lectures et un jour elle s'est rendue en fait à l'église et c'est ce qui lui a permis de découvrir la chrétienté. With my curiosity. Et elle y allait en fait avec sa curiosité, avec toutes ces questions qui avaient émergé. And eventually, in Christmas 1982, I became Christian. Et donc elle est devenue chrétienne et s'est reconvertie en Noël 1982. It's an amazing turning point in my life. C'est un moment important en fait de sa vie. When I stopped praying too many gods as I did before. Elle a arrêté à ce moment-là en fait de prier tous les dieux qu'elle priait auparavant dans la religion qu'elle avait. I just pray, God, please help me. Et elle priait seulement Dieu de l'aider. I really need peace. Et elle disait qu'elle avait besoin de retrouver la paix. I was the one to suffer so much about physical. You can see my scar. Yeah. Elle lui expliquait qu'elle avait tellement souffert physiquement. And the pain also. Et que ça lui causait encore des douleurs et que ça lui en cause toujours. And then at that time, this is a mentally, emotionally pain as well. Évidemment, mentalement et psychologiquement, ça lui faisait, c'était très lourd à porter aussi comme fardeau et ça lui faisait également souffrir. I asked God, how can I deal with it? Et je voulais demander à Dieu comment est-ce que je peux faire pour gérer tout ça quand je peux m'en sortir. So I kept praying and praying. Then one day, I have so much peace. Donc elle a continué à prier encore et encore jusqu'au jour où elle a réussi à trouver la paix.